lorsque nous sommes de la lignée de Caïn, y a-t-il plus de travail à faire spirituellement pour aller dans le droit chemin? Oui. Eh bien, si on est dans la lignée de Caïn, j'allais dire c'est pas la bonne, c'est déjà pas le bon chemin. Oui. Non, mais voilà, d'un point de vue lignée, descendance, etc. Oui, oui. Est-ce qu'il y a vraiment un lien qui fait qu'on a plus de travail dans ce sens-là? Oui, alors si on se rend compte qu'on est dans la lignée de Caïn, c'est déjà une bonne chose, mais il faut en avoir une prise de conscience. Moi, j'allais dire que si on s'en rend compte, il faut se repentir et demander pardon à Dieu et demander à Dieu de nous sortir de là pour aller dans la lignée spirituelle. Parce que je l'ai dit, hein, la lignée de Caïn, c'est la mort. Si vous êtes dans la lignée charnelle, dans la lignée qui ne marche pas dans les voies de Dieu, vous êtes en danger, en fait. Vous êtes en danger spirituellement. Et là, j'ai donné que deux exemples, mais on va voir encore lundi soir et mardi soir. Tous les exemples de ceux qui ont marché dans la chair, ils ont fini dans le mal. Donc, il y a quand même pour tous, à chaque fois, une possibilité de se repentir. C'était vrai pour Caïn. Dieu lui a dit, le péché se couche à ta porte, mais domine sur lui. Il avait la possibilité. Lot, il avait la possibilité aussi de se repentir. Mais à un moment donné, c'est un choix que vous devez faire. C'est-à-dire, si vous sentez que vous êtes de ce côté-là, eh bien, priez le Seigneur pour vous sortir de là et demandez surtout pardon. C'est la repentance. Hein. C'est écrit dans 1 Jean, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Une autre question? Oui, ici. En fait, j'ai deux questions. Points. C'est plutôt des points de clarification. Quand vous avez parlé de Abel et Caïn, je ne sais pas si c'est juste de dire ça, mais pour moi, c'était un peu des extrapolations par rapport au texte. Comment on peut déduire que l'un marchait selon la chair et un selon l'esprit, sachant que, par exemple, on peut dire que Abel, lui, était berger, c'était son métier, donc il a offert sa brebis, enfin son agneau, mais en fait, ça faisait partie de son activité de la même façon que Caïn avait fruit de la terre, c'était son travail, ok. Et le deuxième point, c'est par rapport à quelque chose que vous avez dit ce matin. Vous avez parlé du jardin d'Éden, en parlant aussi de la chair et de l'esprit. Et moi, j'avais compris que la chair, au sens aussi de péché, arrivait après la chute. Donc, si vous pouvez clarifier. Oui. Alors, concernant Abel et Caïn. Ben, c'est assez clairement exprimé dans l'Épître aux Hébreux, en fait, parce que l'Épître aux Hébreux nous révèle le problème spirituel qui était dans Caïn, parce qu'il est dit que Caïn était du malin. Et puis, c'est dit qu'Abel avait la foi quand il a offert les sacrifices. Alors ça n'apparaît pas dans le texte de la Genèse, mais on le comprend en lisant le Nouveau Testament. Et donc, ce qui ressort chez Abel, ce n'est pas seulement qu'il a fait le bon choix d'offrir, parce qu'il n'était pas, ni Caïn ni Abel n'étaient obligés d'offrir des choses de leur travail. Ils auraient pu chacun offrir autre chose aussi. Mais ce qui est remarquable chez Abel, c'est qu'il a eu l'intuition spirituelle, c'était le chemin en fait du sacrifice. Et spirituellement, il a fait le bon choix. Et je pense que, pour moi, hein, ça veut dire que si vous marchez dans l'esprit, vous allez faire les bons choix spirituels, même si vous... Moi, je pense qu'il tâtonnait. Est-ce qu'il l'a fait consciemment ou pas? Je ne sais pas, mais en réalité, il a fait le bon choix. Et c'est dit dans l'Épître aux Hébreux que c'est par la foi qu'il l'a fait, et donc il était en communion avec Dieu. Alors, extrapoler oui et non, moi je dirais qu'il y a des choses dans le texte qui sont là quand même, assez fortes sur le plan spirituel, et qu'en plus, que derrière Abel, il y a Seth, derrière Seth, il y a la postérité de Christ, donc on voit quand même une lignée spirituelle qui est très bien marquée. Caïn, on voit bien que sa lignée spirituelle, c'est le péché, c'est la polygamie, c'est les mecs, c'est ceux qui s'éloignent de l'Éternel. Et Jésus dit aux pharisiens, par exemple, vous avez pour père le diable. C'est aussi fort, ça, de dire ça à quelqu'un, vous avez pour père le diable. Mais il parlait sur le plan spirituel. C'est-à-dire, vous êtes de la lignée qui est animée par le diable, c'est-à-dire la lignée de la chair. Et en fait, il y a des termes comme ça qui sont forts, mais qui sont spirituels. Donc moi, je dirais, pour répondre à votre question, que l'Épître aux Hébreux répond à cette question-là sur le plan spirituel, qu'il y a vraiment une différence entre Caïn et Abel, indépendamment de leur offrande.
Oui, ils ont l'un offert les fruits de la terre, l'autre a offert un agneau. Mais ce qui était important, c'était leur état d'esprit qui ressort dans l'Épître aux Hébreux. Caïn était du malin, c'est-à-dire il était dans la chair, il n'était pas dans l'esprit. Tandis qu'Abel, il était dans la foi. Donc ça, c'est bien expliqué dans l'Épître aux Hébreux. Et il y avait une deuxième question concernant ce matin par rapport au Jardin d'Éden, c'est ça ? Non, alors je me suis mal exprimé à ma connaissance, parce que cette problématique de la chair et l'esprit, c'est après la chute. J'ai parlé d'Ève qui a vu que l'arbre était bon à manger, mais effectivement, alors là on pourrait parler de la tentation. La tentation a existé avant la chute, forcément. La tentation n'est pas le péché. La tentation, c'est une amorce pour vous faire pécher, mais Ève aurait pu faire plusieurs choses. Elle aurait pu citer la parole de Dieu. Elle aurait pu résister au diable, parce que la Bible dit « résister au diable et il fuira loin de vous ». Elle aurait pu appeler son mari pour prier avec lui, elle aurait pu rejeter cette pensée. Mais en fait, la tentation a été ça a été l'amorce de la chute. Et c'est vrai pour nous, la tentation n'est pas le péché, mais la tentation c'est une amorce. Ça veut dire que si vous ne résistez pas au moment de la tentation, derrière la tentation c'est le péché qui vient. Donc, je pense qu'elle avait les moyens de résister, mais qu'elle n'a pas utilisé ses moyens, et que finalement, elle a été séduite. Elle a été séduite, elle a mangé du fruit, elle en a donné à Adam. Donc, c'est dans ce cas-là qu'on peut dire qu'elle a été tentée. Elle a été tentée et amorcée dans la convoitise. Oui, effectivement. Oui. Jean-Marc, par rapport à la lignée aussi de Caïn, oui. Et l'offrande que Caïn apporte, quand on lit dans le livre de la Genèse, il est dit au chapitre 3, verset 17, « Le sol sera maudit à cause de toi. » Oui. Donc, on peut penser aussi que Caïn était au courant fait que les fruits de la terre ne pouvaient pas plaire à Dieu. Aussi, spirituellement, il y a ce verset qu'on peut mentionner, qui est aussi un indice que spirituellement, le sol avait été maudit et donc les fruits de la terre n'étaient pas le moyen, en fait, de plaire à Dieu. Mais pour moi, le plus bel indice, c'est celui que j'ai mentionné, c'est les habits de peau qui ont recouvert Adam et Ève. Et ça, c'était l'indice clé. Que même si toi, tu étais laboureur, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'était l'agneau. Et ça, en fait, Abel l'a cerné. Il l'a compris spirituellement. Et effectivement, la terre aussi, c'était un indice qu'il fallait mentionner. Ouais. Merci. Oui, le micro, s'il vous plaît. Ce qu'on sait tous, c'est que quand on brûle aujourd'hui des végétaux, ça fait un bel écran de fumée. Oui, d'accord. Et en fait, peut-être que Caïn, finalement, il cherchait à mettre un écran de fumée entre lui et Dieu. D'accord. Alors ça n'est qu'une hypothèse qu'on peut émettre pour dire cela, parce qu'on n'a rien dans le texte biblique qui peut l'approuver. Mais en tout cas, il était dans l'apparence, il voulait... Certainement, il y avait quelque chose qui n'était pas clair dans son cœur. Et s'il y avait eu la foi dans son cœur, s'il y avait eu quelque chose qui plaît à Dieu, je ne pense pas que la simple offrande aurait été disqualifiante, que Dieu aurait quand même béni. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui n'était pas vrai, qui n'était pas profond et qu'il fallait changer. Et ça, par contre, Caïn ne s'est jamais remis en question. Ça, c'est un avertissement pour nous. C'est que quand ça ne va pas, on a le droit de se tromper. Tout le monde fait des erreurs. Mais quand on s'est trompé, on se remet en question, on prie et on demande « Mais pourquoi Seigneur ?» Il n'a pas eu cette attitude. Donc on voit quand même que c'était profond. Ok. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Aïna. Bon, vous dites que c'est maudite jusqu'à quelle génération ? Alors, si c'est depuis Caïn ? Oui. Et c'est jusque quand? Comment ils se rendaient compte, les générations après, que ça vient de Caïn? Oui. Et que ici, les générations après, ils décident de retourner vers Dieu pour se repentir. Est-ce que ça peut couper cette malédiction? Tout à fait. Tout à fait. À chaque génération, en fait, il y a la possibilité de revenir à Dieu.
C'est pas parce que Caïn a été maudit qu'automatiquement tous les descendants de Caïn étaient maudits. Ils devaient aussi chacun se positionner, mais ils ont fait le choix de suivre la lignée mauvaise. Mais en réalité, la grâce de Dieu, elle est là pour tous, et qu'à chaque génération, il y a la possibilité d'en sortir. Par exemple, même si vos parents, par exemple, ils étaient dans l'occultisme. Ils travaillaient dans l'occultisme, on va dire, c'est très mauvais, et ça a tiré une malédiction sur votre famille. Mais vous pouvez, si vous croyez en Jésus, vous n'êtes pas obligé de suivre la voie de vos parents. Et vous coupez avec la malédiction dont ils avaient hérité, et vous entrez dans la bénédiction. Ça veut dire que vous quittez la voie de la chair pour entrer dans la voie de l'esprit. Mais ça, c'est possible à chaque génération, parce que c'est indépendant, c'est le cœur de chacun. Je ne sais pas si vous connaissez Est-ce que vous connaissez Franck Alexandre ? C'est un évangéliste. Mais il est né dans un foyer où sa mère, elle faisait l'occultisme. Et il a vu tourner les tables, les placards qui s'ouvrent, les assiettes qui volent. Il est né là-dedans. Et lui, pour lui, c'était sa vie. Il pratiquait l'occultisme. Il faisait de la lévitation sur son lit. Il décollait de son lit. Et en fait, c'était par les puissances des mauvais esprits. Mais à un moment donné, alors qu'il était même sur le point de se suicider, il raconte son témoignage qu'il s'était mis au bord de la fenêtre pour se jeter dans le vide parce que les esprits lui disaient « jette-toi dans le vide ». Il a refusé, il est descendu dans la rue, et dans la rue, ce jour-là même, des jeunes distribuaient des invitations à des réunions d'évangélisation. Et c'est comme ça qu'il est venu à une réunion d'évangélisation. Ils ont prié pour lui, les démons sont sortis, et il a brisé la malédiction qui était sur lui. Donc vous voyez, et pourtant il était vraiment mal, il était vraiment dedans, mais Dieu lui a fait grâce. Et puis du coup, il raconte que sa mère aussi s'est convertie par la suite. Et qu'en fait, c'est la bénédiction qui est rentrée dans sa famille. Donc quand vous acceptez le Seigneur, vous accueillez la bénédiction de Dieu pour vous et pour votre famille, y compris même vos parents qui étaient dans l'égarement. Donc vous voyez, c'est un exemple, mais pour vous montrer que même si vous êtes dans la pire des situations, je ne sais pas, vous êtes né dans l'islam, dans le bouddhisme, occultisme, vraiment loin du Seigneur, il y a quand même la main de Dieu qui est là, et vous pouvez sortir de ces malédictions que la famille a mises sur votre propre vie. Parce que, vous voyez, pour Franck Alexandre, c'était l'occultisme, c'était vraiment mauvais, quoi. Il se serait égaré très, très loin de Dieu. Et du coup, il a été appelé à être pasteur par la suite. Il est devenu même évangéliste et pasteur. Donc, vous voyez, pour Dieu, tout est possible. Voilà. Alors, et notre question ? On en prend encore deux autres, trois autres, voilà. Par rapport à Adam et Ève, ce que je vais poser, il n'est pas dit bibliquement, mais par rapport aux deux enfants qui ont offert les sacrifices, oui. Est-ce que les parents ont un rôle par rapport, parce qu'ils n'étaient pas nés quand Adam et Ève ont péché, oui. Et par rapport aux sacrifices qu'ils ont offerts, est-ce que les parents ont eu un rôle à ce qu'ils ont fait Est-ce que les parents ont eu un rôle dans les sacrifices? C'est-à-dire, est-ce que les parents ont parlé avec eux, les ont expliqués, okay. Pourquoi tout ce qui s'est arrivé. On peut le penser, en tout cas, que c'était tellement énorme ce qui s'est passé avec Adam et Ève et que le péché est entré dans le monde. On peut penser que les parents ont averti les enfants de ce que c'était le péché et de ce que c'était... déjà, ils ont parlé de Dieu. Je pense que tout parent qui est chrétien va parler de Dieu à ses enfants. Et si vous avez des choses que vous avez comprises sur Dieu, vous allez leur transmettre. Donc je pense que oui, que Adam et Ève ont parlé de Dieu à leurs enfants et qu'ils ont parlé du péché. Et qu'ils ont peut-être même mentionné, oui, ce point, parce que c'est marqué dans la Bible, que quand ils ont péché, que Dieu les a recouverts d'un habit de peau. Donc c'est tout à fait possible qu'ils en aient parlé à leurs enfants. Moi, je dirais même probable. Parce que quand vous avez vécu quelque chose, vous n'avez pas envie que vos enfants ils s'égarent ou ils se trompent. Donc vous allez leur donner tous les conseils possibles. Et après, c'est chaque enfant qui a pris son chemin. Parce que c'est pas parce que vous êtes chrétien, vous expliquez bien à vos enfants, vous leur parlez du Seigneur, ils auront leur choix à faire aussi et ils auront leur décision à prendre aussi. Et on voit que la décision n'a pas été la même dans les deux cas. Voilà. Donc oui, les parents ont fait tout ce qu'on peut et c'est notre rôle, c'est de témoigner à nos enfants, leur parler du Seigneur. Mais après, ça n'empêche pas que l'enfant a sa responsabilité devant Dieu de faire son choix à un moment donné. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Alors,
Je ne sais pas si je suis dans l'ordre. Alors attendez, parce qu'il y a une contestation là-bas. Excusez-moi, on reviendra. Hein. Est-ce qu'un chrétien, un frère ou une sœur qui est faible dans la foi, est-ce que c'est la même chose que vivre selon l'esprit de la chair? Donc, vivre selon la chair. Alors, effectivement, je dirais que Paul utilise cette expression qu'il y a des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. Les chrétiens charnels, ce sont des chrétiens qui sont, entre guillemets, bébés spirituels, si on peut dire. C'est-à-dire, ils sont pas matures. Et l'objectif de Dieu pour nous, c'est d'être des hommes et des femmes faits dans la foi. Alors, effectivement, vous retrouverez toujours chez un chrétien charnel, quasiment toujours, une faiblesse au niveau de la prière, au niveau de la lecture de la parole de Dieu et au niveau de la foi. Et chez un chrétien spirituel, vous trouverez un entretien de la foi, de la prière et de la parole de Dieu. Donc, après, vous pouvez être spirituel et avoir peut-être une faiblesse au niveau de la foi, vous voyez, à un moment donné, douter, par exemple. Mais si vous êtes spirituel, vous allez vous ressaisir et revenir. Tandis que le chrétien charnel, le problème, c'est un peu comme Caïn, il ne se remet pas en question, il ne se ressaisit pas, il entretient et finalement cette baisse dans la foi va devenir importante et finalement ça va l'égarer. Donc oui, même un chrétien spirituel peut avoir un moment de doute, c'est possible. Il peut avoir un moment de baisse dans la prière, il peut avoir un moment de baisse dans la lecture de la parole de Dieu, mais il va revenir, il va se ressaisir, il va demander pardon à Dieu. Ça, c'est le chrétien spirituel. Le chrétien charnel, il n'a pas cette prise de conscience ou cette remise en question, et finalement, il se laisse entraîner dans la voie de la perdition et de l'éloignement de Dieu. C'est ça le problème. Alors, bonsoir. Bonsoir. Okay. Alors, moi, j'ai trois préoccupations concernant l'histoire de Abraham et de Lot. Oui. Voilà. Alors, vous avez dit que Lot avait décidé de suivre Abraham. Oui. Et vous avez souligné même qu'on ne décide pas de suivre un homme, mais on décide de suivre Dieu. Voilà. Bon, après, un peu plus bas, quand je lis dans les Écritures, je vois qu'en fait, c'est Abraham qui a pris Lot. Oui. Donc, ma préoccupation, c'est de savoir, est-ce que c'est Lot qui a vraiment suivi Abraham ou bien c'est Abraham qui a pris Lot, qui a décidé d'emmener Lot? Et ce qui était un peu contradictoire par rapport à la recommandation que l'Éternel avait donnée à Abraham de partir sans sa famille. Ça, c'est le premier point. Alors, je vais répondre déjà à ça. C'est que, en fait, Lot a pris Abraham avec lui parce que son père était mort et qu'il a décidé d'être un peu son responsable spirituel. Donc, il l'a pris sous son aile pour l'emmener avec lui. Donc oui, mais en même temps, Lot, il était adulte, c'est-à-dire qu'il pouvait accepter ou refuser. Et il a quand même accepté de suivre Abraham. Donc on peut dire qu'il y a les deux. Il y a à la fois que Lot l'a pris sous sa couverture, mais à la fois aussi que Lot a accepté de suivre Abraham. Et quand je dis qu'il a suivi Abraham, c'est parce que chez Lot, vous ne voyez pas la prière. Vous ne voyez pas qu'il bâtit un autel à l'Éternel. Vous ne voyez pas une relation avec Dieu profonde. Donc c'est pour ça que je dis qu'il a suivi plus un homme que suivre Dieu. C'est un petit peu l'exemple du croyant qui vient parce que votre père, votre oncle est chrétien, puis vous le suivez pour venir à l'église. Voyez. Mais le jour où votre oncle y déménage, vous lâchez. Parce que vous suiviez votre oncle, mais vous ne suivez pas le Seigneur. Le problème de Lot, il est plutôt là, c'est qu'il s'est davantage attaché à suivre un homme qu'à suivre Dieu. C'est le problème du chrétien charnel. C'est-à-dire qu'il est faible au moment de l'épreuve. Si vous suivez un homme, si cet homme disparaît, vous allez plonger. Si Lot s'était attaché à Dieu, il n'aurait jamais suivi la voie de Sodome et Gomorre. Mais comme il avait juste suivi un homme, il était faible. Oui. Exact. Parce qu'on voit bien que pendant qu'il était encore avec Lot, oui, L'Éternel n'avait pas rappelé sa promesse à Abraham. Il a fallu qu'ils s'en séparent. Oui, c'est ça. Et c'est à ce moment que l'Éternel a rappelé la promesse. Est-ce que le fait que Lot soit avec Abraham n'a pas permis à peut-être ralentir l'accomplissement? Enfin,
Oui, alors en fait, on le voit comme ça. Oui. C'est-à-dire que à un moment donné, le charnel ne peut pas cohabiter avec le spirituel et qu'il faut une séparation. Et effectivement, suite à cette séparation, eh bien, la bénédiction se renouvelle sur Abraham et on voit que Lot, bah, lui, suit son chemin. Maintenant, l'histoire aurait pu être autrement si Lot s'était repenti, s'il avait considéré vraiment les choses de Dieu et qu'il avait changé d'attitude. Mais voilà, les choix ont été faits comme ceci. Donc, en fait, la séparation, en fait, quand vous vous séparez de quelqu'un qui est charnel, vous entrez dans une bénédiction. En fait, la bénédiction est renouvelée. Alors, c'est dur, hein, je ne dis pas que c'est facile parce que c'était son neveu et peut-être pour vous, ça sera dur à un certain moment de rompre avec une relation parce qu'il y a des relations qui sont nocives et qui vous entraînent vers le bas et quelquefois, il faut prendre une position. Et c'est dur parce qu'on est frère, on est sœur, on est chrétien. Mais vous vous rendrez compte que vous trouverez d'autres personnes qui vous aiment et qui aiment le Seigneur et qui seront spirituelles. Et puis, que ces personnes bah, qui avaient une relation nocive avec vous, bah, finalement, elles vont s'affilier à d'autres personnes qui sont charnelles et ils vont faire leur chemin de leur côté. Et donc, vous ne pouvez pas rester dans les deux camps. À un moment donné, il faut choisir. C'est dur, hein, c'est pas facile parce qu'on est affectif, on a tous des sentiments. Et je pense qu'entre Abraham et Lot, c'était quand même son neveu. Voilà, c'était dans sa chair, c'était fort. Mais il a quand même préféré cette rupture plutôt entre le choix de Dieu et Lot, son choix, c'était Dieu, quoi. Et ça reste le premier dans notre vie. Voilà. Alors, juste pour vous dire, on va avancer. La sœur, elle a une autre question. Et on va en prendre deux autres. Je crois qu'il y avait Raymond. Voilà. Et est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre ? Vaimiti. Voilà. Ah. Alors, ce qu'on va faire, soyez indulgents, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester pour rester dans des horaires qui se tiennent. Voilà, sur ces autres questions. Et puis peut-être que d'une manière personnelle. Oui, un peu de temps après. Voilà. Hein. OK. Alors, en fait, pour terminer, en fait, ça, c'est une pensée personnelle. Je me disais, est-ce que si Lot était resté sans suivre Abraham, est-ce qu'il aurait eu tout ce qu'il a eu à vivre en suivant Abraham, c'est-à-dire perdre sa femme et avoir ces deux filles qui sont tombées enceintes de lui? Oui. Est-ce que tout cela serait passé? Ben, probablement pas. Est-ce qu'il aurait eu des conséquences aussi négatives, en fait, s'il était resté fidèle? Non, je ne pense pas. Je pense que clairement, les conséquences de sa désobéissance ont abouti à des conséquences dans sa famille. C'est-à-dire qu'il a perdu sa femme, il a perdu, et ses deux filles lui ont donné naissance à deux peuples ennemis du peuple de Dieu. C'est clairement les conséquences de sa désobéissance. Je pense que s'il était resté fidèle aux choses de Dieu, il aurait été gardé. En fait, c'est les choix. C'est-à-dire, si vous êtes fidèle à Dieu, vous êtes gardé dans des choix qui sont inspirés. Si vous n'êtes pas fidèle à Dieu, vous allez faire des choix qui ne vont pas être inspirés et qui vont avoir des conséquences pour vous et pour votre famille. Mais ça, c'est la vie de Lot. Donc, on ne peut pas savoir, en fait, s'il n'avait pas fait ça. Mais moi, je pense, hein, je vous dis là, c'est mon avis, parce que la Bible ne le dit pas. Donc, on s'extrait au contexte biblique. Mais si Lot s'était repenti qu'il avait été fidèle à Dieu, moi, je pense qu'il aurait été gardé. C'est quand même la promesse de la parole de Dieu, que si on est fidèle, bah, Dieu est fidèle, il nous garde dans ses voies. Donc, non, moi, je pense qu'il y aurait eu un autre destin pour lui. Juste une question comme ça, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur l'homme charnel, l'homme spirituel. Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, l'homme spirituel et charnel. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du livre qui a fait à un moment donné une époque un peu de mal, que même des pasteurs ont déconseillé la lecture, l'homme spirituel de Watchman Nee. Oui. Vous vous souvenez de ce livre-là? Oui. Et il n'a pas été au top. Hein. À un moment donné, c'est vrai que ça a perturbé énormément les esprits des chrétiens. D'accord. Alors personnellement, je ne l'ai pas lu. Mais de ce que je connais de ce livre, c'est qu'il explique que l'homme est composé de trois parties. Une partie, donc, il y a une partie donc, de l'esprit, hein, c'est trichotomiste, donc il y a l'esprit, l'âme et le corps, donc l'esprit qui est relié à Dieu, l'âme qui est reliée au monde, et puis le corps qui est sur la terre. Et donc, il fait toutes sortes de conseils. Alors, comme je ne connais pas l'enseignement de Watchman Nee, je ne peux pas vous dire si... Je pense que il s'est quand même beaucoup basé sur la Bible. Il a en tout cas tenté d'expliquer qu'on doit vivre selon l'esprit et non pas selon la chair.
Mais quant à dire si c'est bien ou pas bien, vous voyez, j'ai pas vraiment d'avis sur la question parce que je ne connais pas son enseignement. Hein ? C'est une autre dimension. Voilà, je sais pas. D'accord. Donc là, je suis désolé, je peux pas répondre vraiment. Voilà, Jean-Marc. Oui. Il se passe quelque chose. C'est que les deux ont la même question. Eh ben. Alors c'est formidable. Eh ben super. Alors, mais qui la pose ? Alors, c'est une question assez vaste, mais comment faire la différence entre nos propres pensées et la voix du Saint-Esprit ? Oui. Ben, je pense que, déjà, des pensées, on en a beaucoup. On en a beaucoup et dans toutes les directions. Et quand c'est la pensée de l'Esprit, c'est quelque chose quand même qui s'impose d'une manière assez évidente. Quand c'est nos pensées, on peut s'interroger, effectivement, est-ce que c'est ma pensée, est-ce que c'est la pensée de l'Esprit ? Mais si c'est vraiment la pensée de l'Esprit, vous allez le sentir, en fait, dans votre cœur. Vous allez avoir la paix et vous allez sentir que c'est la bonne chose à faire. Si c'est vos propres pensées, vous aurez peut-être un doute en disant est-ce que c'est mes pensées, pas vos pensées. En tout cas, la pensée de l'Esprit, si l'Esprit vous pousse à faire quelque chose et qu'il parle à votre cœur, il vous met la paix. Si vous êtes troublé, si vous n'avez pas la paix, c'est déjà un indice que c'est probablement pas l'esprit. Quand c'est l'esprit, vous avez la paix, vous sentez que c'est la direction. Et puis, c'est quelque chose d'extérieur à vous. Vous voyez, c'est pas une pensée de vous-même, c'est quelque chose qui vous sentez qui vient de l'extérieur, qui vous est comme imposé dans votre cœur. Donc, je pense que c'est ça les différences qu'on peut établir entre la voix de l'esprit puis la voix de la pensée. Il faut le discerner. Priez le Seigneur pour vous donner ce discernement. Il y a le discernement des esprits, de savoir qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui est du diable, qu'est-ce qui est de la chair. Vous savez, le diable, il se déguise en ange de lumière. Vous voyez un ange, c'est un ange de lumière, en fait, c'est le diable qui se déguise. Donc, discernons, priez le Seigneur pour discerner si cette pensée est vraiment de Dieu. Moi, je crois que si ça vient de Dieu, elle s'implantera, elle restera, et vous aurez vraiment la paix dans votre cœur. Si ce n'est pas de Dieu, vous combattrez avec, puis elle partira. Mais la paix, c'est un bon indice. La paix dans votre cœur, c'est quand même un indice que le Saint-Esprit vous parle. Si vous n'avez pas la paix, c'est déjà un indice que, attention, ce n'est pas forcément de Dieu. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé ses yeux lui dicter ce qu'il devait croire. Sa vision de foi, c'était que ce que Dieu dit, c'est possible. Et donc, il croyait plus ce que Dieu dit que ce que ses yeux lui disaient. Et c'est ça la vision spirituelle, c'est à un moment donné d'arriver à croire davantage ce que Dieu dit que même ce que vos yeux vous montrent. Et là, vous êtes dans la vision de la foi, parce que vous ne le voyez pas encore. Et c'est pour ça qu'il est dit « espérant contre toute espérance, Abraham crut et devint le père d'un grand nombre de nations ». Vous voyez ? Là, vous arrivez au niveau de la foi qui est, vous ne marchez plus par la vue, parce que par la vue, vous êtes trop vieux, votre femme est stérile, c'est impossible. Donc, votre vue vous dit c'est impossible. Mais vous espérez contre toute espérance et vous croyez que ce que Dieu dit, il est tout puissant pour l'accomplir. Et notez bien ceci, le texte dit « Abraham crut et devint ». Ce que Dieu avait dit qu'il deviendrait. C'est-à-dire que si Abraham n'avait pas cru, il ne serait pas devenu ce que Dieu avait prévu. Donc vous voyez que la foi va orienter votre vision des choses. Si vous laissez la foi remplir votre cœur, oui, vous verrez la difficulté, mais vous verrez la main de Dieu au-delà de la difficulté. Et c'est ça la vision spirituelle. Voilà. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Ma question se pose également sur la première partie, oui, avec Jacob et Ésaü. Lorsque vous avez énoncé le droit d'aînesse, oui, qui a également cet aspect spirituel important, et donc le fait que Ésaü l'avait méprisé et que Jacob l'avait acquis, si je puis dire, de manière honnête. Oui. Et ma question se vient, c'est puisqu'il a obtenu ce droit d'aînesse de façon honnête, pourquoi en quelque sorte a-t-il usurpé la place de son frère pour prendre la bénédiction ? Ce qui plus tard le conduira à Laban, à Léa. Oui, oui, oui. Alors pourquoi il a fait ça ? D'abord, il l'a fait sur le conseil de sa mère. En fait, ce n'est pas lui directement, mais en fait, tout le plan, si vous regardez l'histoire, c'est sa mère qui a fait le plan pour que lui reçoive la bénédiction. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que même s'il avait racheté ce droit d'aînesse, le père n'était pas du tout d'accord pour bénir Jacob. Lui, le père, il préférait Ésaü. Donc,
la mère le savait, et malgré qu'il avait acquis ce droit d'aînesse, en fait, ils sont passés par ce subterfuge, mais qui, c'est vrai qu'il n'était pas très adroit, qu'il n'était pas honnête, mais en fait, c'était ces deux raisons. Donc la première, c'est que c'est la mère qui a fait le plan, et en quelque sorte, Jacob a suivi sa mère dans ses conseils, et puis on savait très bien que le père n'aurait, même s'il y avait eu cette vente entre guillemets légale, mais en fait qui était quand même pas bonne finalement, parce que vendre un droit d'aînesse contre un plat de lentilles, c'était vraiment ridicule hein, comme vente. Donc on sait que le père n'aurait pas béni quand même. Donc voilà, c'était aussi pour cela. Voilà. Alors la dernière question, Florent. Bonsoir. Ma question, donc, c'était pour savoir, est-ce qu'il peut être considéré comme un manque de foi de prier pour la suppression immédiate d'une épreuve plutôt que de prier pour garder une patience et une foi ferme en sachant que donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Alors, la suppression d'une épreuve, en fait, Dieu permet les épreuves et on n'est pas au contrôle de ça. On n'est pas au contrôle ni de l'épreuve, c'est-à-dire on ne choisit ni les épreuves ni la durée de l'épreuve. Et donc, en fait, Dieu utilise les deux. Il utilise les épreuves et la durée pour nous transformer, pour nous façonner. Alors, bien sûr, notre prière, elle reste de demander à Dieu son intervention, mais de demander aussi à Dieu la force et la patience de traverser l'épreuve en comptant sur sa grâce. Parce que Dieu, malgré tout, on sait qu'il utilise l'épreuve pour notre bien et il change le mal en bien. Donc même les épreuves qui nous paraissent vraiment mauvaises et difficiles, en fait, elles concourent, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez, dans la vie, par exemple, de Joseph, il a vécu des épreuves familiales extrêmes. Ses frères ont voulu le tuer, ils l'ont vendu comme esclave, ils ont fait croire à son père qu'il était mort. Il s'est retrouvé en Égypte, il vivait épreuve sur épreuve. Mais en fait, il était poussé, malgré cela, il était poussé dans la bonne direction. C'est-à-dire que Dieu a utilisé ces épreuves pour qu'il se retrouve même jusqu'en prison. Même en prison, il a révélé le songe de ce panetier et de cette échanson. Et Dieu s'est servi de l'échanson pour rappeler au roi qu'il y avait quelqu'un qui savait lire les songes ici. Et comme ça, du jour au lendemain, il s'est retrouvé à la bonne place. Mais en fait, les épreuves l'ont poussé, parce qu'il ne serait jamais en Égypte de lui-même. Il ne serait jamais, il se serait jamais retrouvé comme ça en prison ou à la droite de Pharaon comme ça. Donc, c'est en fait, on voit que derrière les épreuves, il y a quand même le plan de Dieu. Et c'est là où on ne peut pas mesurer la taille d'une épreuve ou la durée d'une épreuve, mais prions pour que Dieu nous garde dans sa paix et dans la foi dans le temps de l'épreuve et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qu'on croit que Dieu en sortira quelque chose de bon. Voilà ce qu'on peut dire. Les épreuves, c'est un sujet difficile hein, et c'est un sujet qui dépasse notre compréhension. C'est pour ça que donner des conseils à quelqu'un qui passe par une épreuve, c'est toujours un peu... on ne peut pas comprendre hein, parce que lui le vit et nous, on est extérieur. Donc on va prier avec lui, on va essayer de l'encourager, mais c'est lui qui souffre et c'est lui qui vit l'épreuve. Donc, on l'accompagne au mieux. Voilà. Bonsoir. J'ai une question, en fait, parce que ça écrit dans le Nouveau Testament que si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume des cieux. Alors que les gens avant, en fait, comment ils ont fait pour... Ils ont fait comment ? Pour être sauvés, alors. Oui. Comment ils ont fait pour être sauvés ? Oui, pour être sauvés. Ok. Eh bien, il y a une différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, c'était la foi en Dieu et les sacrifices d'animaux. Donc, il fallait offrir des sacrifices d'abord au tabernacle, puis ensuite au temple, qui permettaient d'effacer, de pardonner les péchés provisoirement. Mais c'était des images. C'était encore l'ombre des choses à venir. C'est pourquoi déjà dans l'Ancien Testament, j'ai mentionné Ézéchiel chapitre 36, Dieu annonce la venue d'une autre dimension qui sera la nouvelle naissance. Et en fait, avec Jésus arrive la grâce. On va dire, la grâce existait déjà, je l'ai dit, dans l'Ancien Testament, mais elle s'est manifestée d'une manière
beaucoup plus importante dans le Nouveau Testament. Il est venu avec la grâce et la vérité et le chemin de la nouvelle naissance. Donc oui, les croyants de l'Ancien Testament étaient sauvés par la foi, par l'alliance avec Dieu et par les sacrifices qui étaient reconduits régulièrement. Sauf que Jésus, c'est le sacrifice ultime et il est plus nécessaire d'offrir des sacrifices. Par contre, il reste la foi, il nous faut croire en Jésus, croire en son sacrifice et puis recevoir la vie de Dieu en nous, la nouvelle naissance. Voilà. Donc il y a une grosse différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance, effectivement. Mais les croyants de l'Ancien Testament étaient sauvés quand même. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question ? Bonsoir. Alors, concernant la nouvelle naissance dont Jésus a parlé, est-ce qu'il s'agit du baptême de repentance, c'est-à-dire le baptême par immersion, ou il s'agit du baptême du Saint-Esprit ? Ben, je dirais ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Le baptême d'eau est différent de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, elle est spirituelle. La nouvelle naissance, c'est quelque chose qui va se passer dans votre cœur au moment où vous acceptez Jésus. Donc, il doit précéder le baptême d'eau, logiquement. Logiquement, quand vous arrivez au baptême d'eau, vous êtes déjà né de nouveau. Et quand vous êtes né de nouveau, vous êtes déjà sauvé, en réalité. Vous n'êtes pas encore baptisé d'eau, mais vous devez vous faire baptiser d'eau. Puisque Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est un commandement du Seigneur. Il y a cette parole dans Matthieu 28 d'aller, faites de toutes les nations des disciples, et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on doit obéir à la parole et se faire baptiser. Néanmoins, quand vous arrivez au baptême, vous êtes déjà né de nouveau. C'est-à-dire que si vous arrivez quelque chose avant d'être baptisé, admettons, vous avez un accident ou quoi, et vous décédez, ben, votre âme est déjà sauvée. Vous avez l'exemple de ce brigand sur la croix. Hein, quand il est mort, à côté de Jésus, il y avait deux brigands. Il a simplement cru au dernier moment. Il a accepté Jésus comme le Messie et il a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui a donné cette parole « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Donc, effectivement, son âme a été sauvée le jour même où il a accepté Jésus comme sauveur, mais il n'a pas eu le temps de passer par le baptême d'eau. Donc, on voit que la nouvelle naissance est complètement indépendante du baptême d'eau. Et je dirais qu'elle est même prioritaire au baptême d'eau. Parce que si vous êtes baptisé d'eau, mais que vous n'êtes pas né de nouveau, en fait, ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est la nouvelle naissance en priorité. Il y a beaucoup de gens qui ont été baptisés d'eau parce que les parents étaient baptisés, alors les enfants ont suivi les parents, ils se sont fait baptiser, mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Et donc, dans ce cas-là, aux yeux de Dieu, ils ne sont pas enfants de Dieu. Ce n'est pas le baptême qui fait de vous des chrétiens ou des enfants de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Donc je dirais que ce n'est pas lié au baptême de repentance ou baptême d'eau. Et puis, ce n'est pas lié non plus au baptême du Saint-Esprit, parce que le baptême du Saint-Esprit est une expérience indépendante de la nouvelle naissance. On le voit à plusieurs reprises. Par exemple, le jour de la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, mais ils étaient déjà nés de nouveau. En réalité, ils étaient déjà enfants de Dieu. On le voit dans le livre des Actes au chapitre 8, où on a des chrétiens ici en Samarie qui sont déjà nés de nouveau, même baptisés par immersion, mais qui n'ont pas encore été baptisés du Saint-Esprit. Donc, ils avaient déjà la nouvelle naissance, ils avaient déjà le baptême d'eau, mais ils n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit puisqu'ils n'avaient pas reçu les langues et on va dire, les conséquences du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Donc, effectivement, il faut savoir que dans certains courants évangéliques, qui ne sont pas pentecôtistes, on assimile la nouvelle naissance avec le baptême du Saint-Esprit. Pour un courant évangélique qu'on appelle les baptistes non charismatiques, ils disent que la nouvelle naissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que pour eux, le baptême du Saint-Esprit n'est pas lié au parler en langue et à la vie de l'Esprit. Donc ça, c'est un courant évangélique qui existe. Vous en verrez des fois dans les Bibles, des commentaires, ils vous expliqueront le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Ce n'est pas la compréhension que nous avons des Écritures. La compréhension que nous avons des Écritures, c'est que clairement, la nouvelle naissance est une chose, c'est-à-dire vous êtes né de l'Esprit, ça veut dire quand même que quelqu'un qui est né de nouveau, l'Esprit quand même agit en lui,
mais il n'a pas encore reçu la plénitude du Saint-Esprit. Et puis, vous avez un autre texte qui mentionne le baptême du Saint-Esprit aussitôt avec la nouvelle naissance. C'est quand Pierre prêche chez Corneille, dans Acte 10. Vous avez Pierre qui est en train de prêcher la parole de Dieu, il annonce la croix, et à un moment donné, les gens sont touchés par le message et sont remplis du Saint-Esprit en même temps et se mettent à parler en langue. C'est-à-dire qu'ils ont reçu la nouvelle naissance en même temps que le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi Pierre dit, ben, peut-on refuser l'eau du baptême à eux-mêmes qui ont vécu la même expérience que nous le jour de la Pentecôte? Et ils ont été donc baptisés d'eau après. Donc vous pouvez avoir même le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. C'est ça. Vous voyez, c'est indépendant. C'est trois choses complètement différentes. Un, nouvelle naissance. Deux, le baptême d'eau. Trois, le baptême du Saint-Esprit. Voilà, si je peux résumer. Alors, s'il n'y a pas d'autres mains, moi j'ai une question. Oui. Alors, qu'est devenu Nicodème? Oui. Qui est devenu Nicodème? Voilà. Alors, ben justement, on ne sait pas parce que la Bible. Alors, sauf que la Bible donne un indice, c'est qu'il a quand même été présent quand il a fallu défendre Jésus à un moment donné. Il a quand même pris position. Mais on ne sait pas, en fait, si il est allé au bout du cheminement. En tout cas, la Bible ne dit pas clairement qu'il a pris position pour Dieu. On le voit néanmoins, il y a un petit indice quand même, qu'il a pris position pour Jésus devant le Sanhédrin. Après, est-ce qu'il a vraiment vécu la nouvelle naissance et qu'il s'est engagé? En fait, la Bible ne dit pas. Elle laisse un point de suspension pour montrer que c'est une décision personnelle qui incombe à chacun. Et que, voilà, c'est dans le secret des cœurs. Mais Dieu le sait, en tout cas. Dieu sait très bien ce qui s'est passé pour Nicodème et si il est allé au bout du chemin. On l'espère, mais on ne peut pas l'affirmer avec une certitude, par exemple, comme pour Paul. Pour Paul, c'est clair que lui, il est né de nouveau, il est passé de la mort à la vie, et il est devenu enfant de Dieu. Vous voyez, donc, quand la Bible ne dit pas, on est obligé de dire, bah, c'est les mystères qui appartiennent à Dieu. Là, on n'a pas forcément une réponse certaine. Alors, je crois qu'il y a une dernière main qui s'est levée. Oui. Voilà, c'est la dernière question. D'ailleurs, j'étais la première question. Comment apprendre le langage de l'esprit? Le langage de l'esprit. Alors, il y a effectivement un langage de l'esprit. Ben, c'est dans la communion avec Dieu. Moi, je répondrai comme ça. Plus vous allez connaître la parole de Dieu, plus vous allez vous imprégner des Écritures et de la parole de Dieu, plus déjà votre langage va être en harmonie avec celui de Dieu. Parce que le langage naturel n'est pas celui de la parole de Dieu. Donc déjà, il y a un premier effort à faire, c'est de lire la parole de Dieu, de laisser la parole de Dieu pénétrer votre cœur. Quand cette parole pénètre votre cœur, vos paroles commencent à être en adéquation avec la parole de Dieu. Donc le langage de l'esprit, c'est un langage qui est le même que celui de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Et donc plus vous allez être dans la prière, dans la foi, dans la recherche de sa présence, de passer du temps dans le jeûne, plus le Seigneur va travailler votre cœur pour que cette parole naturelle, en fait, ne soit pas la première dans votre vie, mais que ce soit la parole de l'Esprit. Et puis, à un moment donné, vous pouvez même recevoir des paroles de l'Esprit pour donner des prophéties, des paroles de connaissance, une parole de sagesse, un don spirituel. C'est aussi dans la communion avec le Saint-Esprit que cela se révèle. Ben, en fait, c'est un cœur à cœur avec Dieu. En fait, vous recevez. C'est un langage spirituel. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Comme on apprend à marcher, on apprend à écrire, on apprend à lire, on devrait apprendre le langage de l'esprit, mais d'une manière spirituelle. Non pas avec l'intelligence humaine, mais avec la foi et avec la connexion à Dieu. C'est comme ça qu'on va développer un langage spirituel. Voilà. Voilà. Un grand merci à notre frère.